Et salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo spéciale brocante de cette année 2024. Donc, deux brocantes à faire. Donc, ce dimanche, c'était 350 et 400 exposants. Pour la première brocante, on a eu un temps de pluie. Donc, il manquait au moins 200 exposants. Il y avait très peu de monde à cette brocante. J'ai trouvé un seul truc. Donc, à la deuxième brocante, sur les 400, il y en manquait environ une cinquantaine. Donc, c'était largement mieux déjà à la deuxième. Donc pour la première brocante, j'ai trouvé qu'un seul coffret DVD donc pour les 7 films de Freddy. Donc je demande le prix, il me dit 50 centimes. Je pensais que c'était 50 centimes pour chaque DVD à l'intérieur, mais non, c'était 50 centimes le coffret. Donc à ce prix, c'est largement donné. Normalement en occasion, il vaut entre 8 et 12 euros environ. Ça dépend les prix, ça dépend des régions, mais chez moi c'est entre 8 et 10 euros. Donc 50 centimes le coffret, je l'avais déjà possédé avant mais je l'avais revendu. Et là je le récupère pour 50 centimes. Moi je les voulais en Blu-ray, mais bon, vu que je suis tombé à ce prix-là dessus, je l'ai récupéré. Donc c'est tout ce que j'ai trouvé à la première brocante. Donc il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Donc à la deuxième, j'ai trouvé un peu plus de trucs, mais rien de foufou. Donc le Terminator Renaissance en Blu-ray. Donc pour 1 euro. Donc je l'avais pas celui-là pour les Terminators, donc il va rejoindre la collection des Terminators pour 1 € en Blu-ray, c'est top. J'ai trouvé Docteur Dolittle 2 pour 1 €. Donc c'est des prix pour l'instant que j'ai pas négocié, c'est que des petits prix, donc comme ça quand je négocie pas. J'ai trouvé la VHS donc de Speed, le premier film, que j'ai payé 1 € au lieu de 2. Donc c'était 2 euros, je lui ai demandé 1 euro et c'est passé. Donc j'ai trouvé un coffret VHS de Un gars et fille, donc la série culte des années 2000. Donc moi j'aime beaucoup cette série, donc un coffret de 2 VHS. Je demande le prix, elle me dit 1 euro. Donc pour 1 euro, je l'ai pris direct. Donc voilà, je ne l'ai pas négocié après, donc c'est donné, il est plutôt en bon état. Après, je repasse une deuxième fois parce que j'avais vu ce coffret, je l'avais pas pris tout de suite et quand je suis repassé la deuxième fois, je l'ai pris. Donc un coffret de 5 VHS Tom et Jerry. Je demande le prix pour être sûr, c'était aussi 1 euro. Donc je l'ai pris pour 1 euro. Il est un peu abîmé au niveau des coins malheureusement, mais rien de bien de très très grave. Donc 5 VHS, le coffret 1 euro aussi. Voilà ce que j'ai trouvé pour la deuxième brocante. Je suis un peu déçu des deux dernières brocantes de cette année, mais j'ai trouvé un lot de CD de films, donc des BO sur le Marketplace. Donc peut-être dédicace à Papy Daniel, je sais que tu collectionnes aussi les BO de films. Donc là j'en ai rentré une dizaine, 12 si je dis pas de bêtises, pour 20 euros. Donc c'était 2 euros la BO, donc la personne m'a dit si tu t'en prends 5, la sixième est offerte. Donc normalement ouais c'est ça, c'est 12 pour 20 euros. Donc on commence avec le James Bond, donc 30e anniversaire. On continue avec un deuxième James Bond. Donc voilà, on a le Buffy contre les vampires. On a du très très bon, donc Arme Fatale le troisième. On a E.T. le film. On continue avec les plus grands classiques des chansons de films, donc de Disney. Un petit Disney, Notre Bossu de Notre-Dame. Voilà. On a donc après ça, c'est pas vraiment une BO, mais bon, c'est un truc, c'est un CD Disney quand même. C'est Blanche-Neige et les Sept Nains. On a le même style, justement, en Belle et la Bête. C'est en fait, on a le CD à l'intérieur et dedans, on a l'histoire en livre pour ces deux éditions-là. On continue avec Men in Black. Donc, je crois que ça doit être le premier film. On a, je sais pas comment il se prononce, il est 9 sous blister. Donc voilà, 9 sous blister. Je vais pas le déballer. Et on a les Choriste, si ça se prononce bien. Voilà. Donc ce lot de CD, je l'ai payé 20 euros. Voilà. Très beau lot de BO. Donc c'est Daniel, si tu passes par là, je sais que tu collectionnes aussi les BO.
Je pense que tu en as aussi pas mal dans ta collection. J'avais vu tes vidéos l'année dernière quand tu as présenté ta collection. Du coup, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé en brocante ce week-end. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et ciao ciao tout le monde!